Let's get it. Il rattrape ce véhicule de justesse en bout de piste. Cette action lui demande la présence. Monsieur Salpetit demande à son poste. Admirez ce véhicule. S'arrêtez de justesse à chaque extrémité de cette enceinte. Alors, bien sûr, public, est-ce que vous en voulez encore, oui ou non? Aujourd'hui, monsieur Chouin, nous avons un public extrêmement chaleureux, donc beaucoup plus fort dans la présence. Admirez ce véhicule qui n'a pas beaucoup de terrain de freinage. Ce véhicule est arrêté de justesse en bout de piste, un cascadeur qui va satisfaire la totalité de son public qui va nous présenter encore un passage à la présence. Véhicule arrêté de justesse en bout de piste, comme vous avez pu le voir, ce cascadeur va nous dans quelques instants réclamer un cadeau avec le missionnaire de cette enceinte. Sur le pavillon. Très bien, monsieur Salto King, derrière le camion affiche, merci. Monsieur Yolande Crossman, aujourd'hui, va tenter de se faire éjecter de ce véhicule. Comme vous pouvez le voir, il est maintenu tout simplement par la propre force de ses bras. Alors, bien sûr, j'aurais quelque chose à vous indiquer un jour. Si vous avez un problème avec votre belle-mère, positionnez-la pour monsieur Yolande Crossman et positionnez sur ce véhicule et représentez. Parce que monsieur Gilles Chemaneur vous démontre de ce spectacle. Pilote, il était prêt, on peut y aller. Il ne va pas tenter d'éviter sa belle-mère car il n'aura pas de garantie passable. Une pneumatique qui part en lambeau comme vous pouvez le voir, un casque de voltigeur qui ne veut pas lâcher prise. Action à la présence. Admirez ce véhicule rattrapé à tous les coups avec justesse. Aujourd'hui, je vois qu'un cascadeur voltigeur qui ne veut pas lâcher prise. Donc, monsieur Schumann, à bord de l'explosion de la pneumatique, beaucoup plus fort de notre essence. On maltraite en plus de lise la pneumatique du véhicule. Admirez ce véhicule rattrapé avec justesse. Un pied qui a fait l'explosion de sa pneumatique pour venir réclamer le pied à l'instant. Un dernier applaudissement. On a vu les cascadeurs. Couleur particulière, les pilotes qui étaient prêts, et jeune. Allez, monsieur Franck, qui m'a
qui va tenter le demi-tour en bout de piste pour faire admirer le châssis du véhicule qui n'y a pas les troisième roues qui le maintient. Admirez ce pilote qui défie toutes les lois de l'équilibre. Ces véhicules feraient chavirer, bien sûr. Ça serait la catastrophe totale pour ce pilote. Rien ne les arrête autour de ce spectacle. Admirez ces véhicules, que ce sont des véhicules de série. Ces véhicules ont juste le différentiel arrière-bloqué de ces pneumatiques sous-gonflées à plus de 7,5 kg. Au bord de l'explosion, tout le reste devient des pilotes. Monsieur Paul Maurice, pour le public de gauche.